Salut les potes, j'espère que la vidéo sera pas à l'envers. Donc là, c'est la grosse turlute de chez Leclerc. Non mais franchement, vu la taille de la turlute, t'es sûr de ramener le Kraken chez toi. Là, c'est une sacrée turlute. La taille, c'est immense, une taille vraiment immense à côté des petites turlutes qu'on a achetées vraiment toutes petites. Donc là, je vais sortir le couteau, là. Couteau à la John Rambo. Pour ouvrir la turlute. Du moins, le paquet de la turlute. Franchement, vu la taille de la turlute, c'est vraiment. Non, mais là, tu pêches le kraken, quoi. Hein, là, tu fais du calamar, c'est sûr, mais là, tu pêches un calamar XXL, là, quoi. Ils n'ont pas fait mine, quoi. C'est même que le père. Je vous avais déjà présenté cette grosse turlute, d'ailleurs, il me semble. Donc, voilà. J'ai hésité entre la T33 ou soit un poisson particulé ou une grosse turlute pour la pêche au calamar. Mon cœur a balancé sans la grosse turlute. Je l'avais déjà, pour ceux qui l'avaient déjà vu, cette turlute immense là, je l'avais déjà. Et du coup, je l'ai reprise. Voilà, je me suis dit, ce serait cool si je pouvais essayer de repêcher un calamar, refaire un monstre là-dessus. Donc voilà, ça me fait une turlute de plus dans ma collection. Là, quand je vous dis, c'est vraiment une très très grosse turlute. Vous voyez la taille de ma main. C'est vraiment très très gros. Je vais vous montrer les turlutes, la taille de mes turlutes à côté, les petites, vous allez comprendre. Donc, cette fois-ci, c'est vu du dessus. Donc là, on a plusieurs turlutes. On a vraiment celle-ci. Voilà. Grosse turlute. Et puis, c'est vrai que quand on regarde à côté des turlutes double montage qu'on a ici, alors, il y a aussi bébé turlute qui a perdu malheureusement ses accroches. Il va falloir que je remplace. Quand on regarde finalement à côté. Côté des grosses tures double montage turlute avec ce sacré boule qui a ici, quand on les met à côté l'une de l'autre, finalement on s'aperçoit que bon que oui, effectivement, c'est quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus large que des tailles de crochet de turlute ordinaire. Je sais pas si vous voyez, voilà, si on peut voir quand même la taille des épines de turlute. Celle-ci est quand même sacrément grosse. Alors peut-être que pour faire plusieurs calamars, ça peut fonctionner plutôt que d'un seul. Voilà, donc voilà la taille des turlutes. Celle-ci, au flash, la répare. Bébé turlute, elle est tout complètement naze. Voilà les copains, c'est ce que je voulais vous faire montrer. Bien sûr, ça c'est un double montage. Vous voyez aussi le montage violet à l'arrière. Donc voilà les potes pour la pêche aux céphalopodes. Bah, écoutez, je vous dis encore une fois, à bientôt. Ok les copains, je vais vous faire plaisir, je sais qu'il y en a certains qui adorent ça, voilà. Ok les potes, donc je sais qu'il y en a qui adorent ça, voir les turlutes de nuit comme ça, briller. Voilà. Voilà ce que je vous ai déjà expliqué, hein, c'est l'œil du calamar qui voit ça, il imaginait et qu'il a l'impression pour un gros poisson et puis il va venir capturer. Voilà les potes, à plus tard.